j'éprouve sur scène dans Blue, non, enfin, ce que je pouvais ressentir quand je faisais du black en 99, où vraiment, voilà, je ressens plus les sentiments liés au black metal que. Alors que musicalement, paradoxalement, PHTO est sûrement plus proche des mouvements black maintenant que Hulu. Et c'est ce paradoxe que j'aime bien aussi. Au-delà de tel ou tel groupe, je pense que c'est d'être sur scène aussi, de sentir cette osmose-là, puis le public en face qui renvoie, c'est quand même des atmosphères bien, bien particulières, et ça y joue beaucoup. Yeah.
les premières répètes, y a eu cette espèce de colère qui était là. Déjà, les thèmes abordés par Loki, parce que c'est lui qui a écrit les paroles de Donkey Driver. Moi, j'ai écrit les Embryons et Combat Fétal qui seront pour le prochain opus. Ces thématiques, c'était quand même du black. Du black urbain, quoi. Enfin, avec une thématique très urbaine, quoi, où on parle quasiment pas ni de religion, ni de. Ce sont des thèmes qui reviennent souvent dans le black. Quoi. Ça, je trouvais ça intéressant, avec aborder beaucoup la toxicomanie grave avec les drogues dures, et encore, ça rejoignait cette dépression, quoi. Cet état dépressif lié à la dépendance, et puis. Et en fait, l'album. C'était vraiment quelqu'un qui tombe dans la toxicomanie et de voir sa déchéance jusqu'à la tombe. En fait. Le dernier morceau, c'est Nature. Je trouvais ça bien intéressant et c'est vraiment c'est la lecture des textes qui me. Il y a des choses où je me retrouvais dans ces textes-là. C'est vrai que dès qu'on a commencé à répéter, enfin, l'exécution des morceaux, puis ils ont quand même un son qui est vraiment. Ouais, je sais pas, c'est l'exécution qui a fait. J'ai toujours ressenti de la haine. Mais une haine saine, en fait. Quelque chose vraiment qui purifie. Et en live, je trouve que c'est encore plus. C'est encore plus présent. Et c'est quelque chose qui me fait ressortir aussi, un peu comme dans PHTO. Qui me fait écho à mes vieux démons, quoi. Les passages que j'ai pu avoir où je consommais un peu tout et n'importe quoi, une espèce de. Puis à revenir sur une déchéance, on va avoir quelque chose. C'est du passage à l'acte aussi, hein, quelque part. Et de se dire, ouais, là je veux aller au fond du trou, je veux voir ce qu'est le fond du trou. Et dans Loon, il y a toujours cette dimension de. Je vais au fond du trou, mais c'est. C'est pour rebondir, quoi. Je sais pas, moi j'associe vachement Loon au bouddhisme. Mais c'est ma vision de ça. Mm. Pour ça, je prends de colère saine, une colère qui est constructive, ouais, qui fait avancer, qui motrice. We'll be right back.
forcément. Merci à tous aux membres de l'association.